action. Action à Vichy. Donc, première visite à Action Vichy. Ça veut dire que c'est à 2 km, même pas, de chez moi. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Parce que alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas les prix. Je vous mets les prix après, ça ira plus vite. Une éponge pour mon homme pour finir ses joints de carrelage sur la terrasse. Voilà. Une balayette. Une balayette à toilette, parce que bon, ben, de temps en temps, il faut quand même les changer. Et d'habitude, je change avec des blanches. Et là, justement, à Action, il y avait des noires. Donc, je trouve que elles sont très bien. C'est beaucoup moins salissant. Et comme j'ai le pot en inox, ce qu'il y a de mieux encore, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout changer. Deux boxers pour hommes. Trouver du double face pour faire le scrap. J'ai trouvé aussi des lingettes avec vitamine E. Alors ça, ben on en met un petit peu partout. Chocolat caramel. Des petites pâtes. C'est des nouilles de la soupe. 1, 2, 3. Et voilà. Alors. Voilà, de deux sortes. Des petits chocolats, des mini chocolats. Alors, mon homme a pris aussi des piles parce qu'on n'en a jamais assez. Donc, des deux sortes de piles. Hein. Celles dont on sert le plus souvent. Voilà. Ensuite, j'ai pris un paquet de carton. Des feuilles cartonnées. Ça, c'est pour faire le scrap. J'ai pris deux paquets d'enveloppes, deux paquets d'enveloppes, alors avec des couleurs différentes. Voilà, 14 sur 14. Des aiguilles. Des élastiques, il y en a toujours besoin. De la sauce mayo moutarde. Moi, j'adore leur sauce. On en a de toutes les sortes. Ensuite, ça, c'est des sacs poubelles qu'on a trouvé pour la poubelle en faux inox qu'on a acheté là-bas déjà. Donc, des sacs poubelles. Ensuite, des bonbons en bâton, en bâtonnet. 275 grammes, j'en ai pris 3 paquets. Voilà, un deuxième paquet. Et le troisième, je dois trouver par là. Le troisième est vert. Voilà. 3 paquets. Pour donner aux petits quand ils viendront. Voilà. Et oui. Pas donner de sucrerie aux enfants, mais quand on est une grand-mère, on peut en donner. Ça. Alors. Ils appellent ça. Comment ils appellent ça? Voilà, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. C'est pour poser sur ma table quand je fais mon scrapbooking. Voilà.
Une fois, je prendrai la réglette pour couper. J'ai vu qu'il y avait des réglettes pour couper. Alors ensuite, un album en 3D. Magnifique. J'ai trouvé qu'il était magnifique. Avec des roses. Alors ça, moi, les roses, j'adore. Donc voilà. Et il n'y avait pas bien le choix. Donc j'en ai pris qu'un. J'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris des petites figurines comme ça. Alors, c'est joli, il y a des oiseaux, il y a un petit peu de tout. Alors, des cages à oiseaux. C'est vraiment mignon pour décorer. C'est très très joli. Et aussi, bah, ça change un petit peu. Ça change un petit peu des brillants. J'ai trouvé des sortes de clous comme ça, qui brillent bien. Des clous adhésifs, pareil, pour décorer. J'ai trouvé ça. Alors moi, je sais ce que j'en ferai. Je vais m'en faire un rat du cou, parce que j'adore les rats du cou. Donc je vais m'en faire un rat du cou. Voilà. Des petites perles vertes. Adhésive, des bordures en dentelle. Alors là, j'ai trouvé très 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 joli aussi. Voilà. Et je vous marquerai tous les prix à côté de chaque chose parce que là, il faudrait que je cherche et ça fait trop long. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, des petites figurines, un petit peu de tout. Alors, ça dans les décos de Noël, mais pour coller comme ça, pour faire un album de Noël, le finir de décorer, impeccable. J'ai trouvé trois tampons. Voilà, trois tampons. J'ai repris de la colle ainsi que de la glu, comme je me sers tout le temps pour faire mes décos. Voilà. J'ai trouvé aussi ces jolies feuilles. Alors vous me direz, j'en ai plein. J'ai exactement les mêmes dans le terrain. Mais dans le terrain, c'est tout un système pour les faire sécher tout et puis après elles se cassent, donc bon, c'est plus fragile. Celles-ci, elles restent. Elles vont rester. En plus, elles ont les glands qui tombent pas. Elles ont des glands. Voilà. Des petits glands. Et elles ont vraiment pas coûté cher du tout. Puis un feuillage pareil, un feuillage très fin pour aller avec ces petites fleurettes là que j'ai trouvé superbes. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment ça faisait très très joli. Ça plus ça dans mon vase, je pense que ça changera. Oh là, ça fera une couleur un peu plus gaie. Alors j'ai trouvé des petits embellissements encore voilà. Alors ça, c'est différent. Je fais un album plus féminin avec tout plein de petites choses comme ça. C'est joli aussi. Donc ça m'en a fait deux. J'ai trouvé du parfum. Alors je vais l'ouvrir. J'ai senti là-bas. Il sentait très bon d'ailleurs. On avait plusieurs, mais c'est celui-ci qui m'a plu. Alors dans un petit contenant comme ça, tout joli. Ça fait mauve. Là on voit pas très bien, mais ça fait mauve. Voilà.
Ah, j'aime bien l'odeur. Franchement, et il est présenté dans un flacon en verre. Il fait 50 millilitres. Et quand je vous donnerai le prix, il coûte même pas 2 euros. Ensuite, j'ai trouvé deux dentelles. Une rose et une blanche. Bon, bah ça, c'est ce que je prends tout le temps pour faire mes décos, c'est pareil. Je suis pris aussi, moi j'appelle ça un cutter, mais c'est pas un cutter. Hein. C'est un petit couteau de précision quand on découpe. Je crois que toutes les filles qui font du scrap en ont, elles connaissent. Voilà, donc je m'en suis pris un parce que c'est pareil, à Action, c'est pas cher du tout. J'ai pris deux paquets d'oignons frits. J'adore ça, c'est très très bon. Et il y en a déjà un qui est dans la cuisine et qui a été entamé à midi. Donc j'ai le deuxième là-bas. Mais j'en ai pris deux. Et des sneakers. Oui, ça doit être ça. Voilà, pareil pour mettre dans mon saladier à bonbons sur ma table. On a eu pour 54,38 de tout ça. Et je vais vous mettre les prix à côté de chaque chose achetée. Voilà notre sortie de ce matin. Action. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Voilà.